Rigole pas, si. Je sais, Lucie m'en avait parlé. De ce truc là, on fera une pétition les candidats après au café là pour partir maintenant. Après l'entretien, faut pas parler. Bon, Thomas, moi je suis prêt. Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez L'autre campagne, le rendez-vous de Lyon Capitale pour les élections municipales. Et aujourd'hui, on finit notre tour d'horizon dans le premier arrondissement. J'accueille ce matin Emeline Baume. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le premier arrondissement et co-tête de liste sur l'ensemble de la ville avec Étienne Tête. On a vu cette semaine Odile Bellinga, Nathalie Perrin-Gilbert qui constitue avec vous l'offre à gauche. Est-ce que vous n'avez pas le regret que vous n'ayez pas réussi à monter une liste commune avec au moins l'une des deux? Ah non, absolument pas. Non, non. Les écologistes, à chaque échéance électorale, proposent leur projet parce qu'on est un mouvement politique qui a une vision, qui propose d'arrêter avec les solutions du passé et d'accompagner le plus grand nombre de personnes dans ce qu'on appelle la transition, eu égard aux évolutions de notre monde, tout simplement. Donc, comme aux législatives, aux cantonales, aux régionales et plus tard aux européennes. Nous faisons la proposition écologiste. Aucun regret. Vous étiez avec Gérard Collomb en 2008. Dans votre parti, il y a plusieurs courants, des gens qui sont plutôt on est assez démocrates. Froid avec Gérard Collomb, d'autres qui sont plutôt plus proches. On a reçu Bruno Charles, par exemple, dans le 7e arrondissement. Vous, vous êtes où? Au milieu. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement pour le deuxième tour? C'est absolument de faire l'union avec Gérard Collomb ou on va jusqu'au bout dans le rapport de force? Moi, ce que je souhaite, c'est que la démocratie se déroule au premier tour, donc que les gens puissent voter utile, voter pour des solutions possibles ici et maintenant, dans le premier, dans tous les arrondissements et pour l'agglomération, et qu'au second tour, on aille discuter avec les mouvements de gauche qui ont le souhait qu'on construise ensemble quelque chose de viable. Je l'avais déjà dit ici même, on n'a pas raison tout seul, donc on sait très bien qu'on va fonctionner avec d'autres gens, que ce soit des gens du Front de Gauche, du Parti Socialiste, de mouvements citoyens. Il faut discuter, voilà, tout simplement. Donc c'est pas Gérard Collomb, Nathalie Perrin-Gilbert, Aline Guittard ou même d'autres gens, c'est regardons nos projets, nos propositions concrètes, comment on fait ensemble pour que les choses puissent vraiment se dérouler, être mise en œuvre pendant les 6 ans qui arrivent et pas juste on fait des petits coups d'éclat, là, des coups médiatiques, des propositions très intéressantes mais qui finalement ne verront pas. Vous ne voulez pas aller jusqu'au bout dans le rapport de force? Je ne peux pas le dire maintenant, vraiment sincèrement, la ligne qu'on s'est fixée c'est 10 plus X. Si on s'approche des 20... 10, qu'on comprenne bien, c'est le seuil pour minimum pour pouvoir se maintenir au second tour. 5 pour fusionner. Est-ce que sur l'ensemble de la ville, vous pensez pouvoir les faire, ces 10%? Ah bon, j'en suis convaincue. Sur le premier arrondissement, ça doit pouvoir être jouable, mais il y a des arrondissements, ça va être plus compliqué. De toute façon, nous avons décidé collectivement les 9 têtes de liste d'arrondissement de la liste Inspirée Lyon de s'en parler ensemble et de décider ensemble. Il n'y aura pas de démarche à géométrie variable, le premier plutôt en alliance avec un tel, le 7e en alliance avec un tel. On a une démarche cohérente, l'offre qu'on fait dans chacun des arrondissements, on va tous dans le même sens, on va tous dans ce sens de la transition sociale et écologique
pour notre territoire. Il n'y a pas Emeline Baume qui a envie de plus de composteurs dans le premier et Bruno Charles qui a envie de plus de terrain de foot pour les gamins du 7e. C'est pas ça. On propose tous une cité des artisans pour aller vers cette société de la réparation, de la récupération, du réemploi. Et pour accompagner les TPE, PME et artisans, on propose tous plus de végétation dans la ville, pas pour faire joli esthétique, mais juste parce qu'on sait très bien que la végétation, ça permet, un, de dépolluer, deux, de fabriquer des îlots de fraîcheur. On propose tous du déplacement en mode doux et en tram et pas en métro. Et on propose tous la ville à 30 km/h dans certains endroits, 50 ailleurs, pour dire voilà, les personnes âgées, les enfants, les personnes avec des poussettes, les personnes en situation de handicap pourront respirer plus facilement et se déplacer. Et oui, nous voulons limiter la place de la voiture individuelle dans notre cité. Je voulais revenir une dernière fois sur ces questions de contexte politique, même si je vois que vous essayez de vous en éloigner un petit peu. Vous êtes la personne finalement qui a mis la fusion avec Nathalie Perrin-Gilbert en échec. Vous avez refusé. Oh là là, ça me donnait bien du pouvoir. Alors, j'ai pas. D'une éventuelle liste commune entre Europe Écologie Les Verts et Les Grammes. J'achète pas les votes des adhérents. Est-ce que vous avez un regret là-dessus? J'ai absolument aucun regret. Pourquoi ce point de blocage avec Nathalie Perrin-Gilbert? En fait, c'est pas un point de blocage avec une personne, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire d'offre politique. C'est dans ce premier arrondissement, on voit à gauche, il y a des conflits dans les conflits. Mais peut-être qu'il y a des conflits dans les conflits. Le fait est que moi, je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait Les Verts, qui s'est transformé en Europe Écologie Les Verts, que je fais toujours partie de ce mouvement-là comme 6 autres personnes qui sont sur la liste du premier, parce que les autres personnes de la liste du premier sont des habitants du premier qui sont dans une dynamique écologiste, mais pas forcément encartée, et que, comme pour les législatives il y a 2 ans, j'habite toujours le premier arrondissement, toujours une femme engagée, toujours envie de proposer les solutions écologistes. C'est pas la question de est-ce que j'aime ou j'aime pas les personnes brunes qui en sont, qui ont été maires d'arrondissement 2 fois d'affilée. C'est pas ça. Nathalie Perrin-Gilbert s'est positionnée sur quelque chose. Odile Bellinga se positionne avec une autre offre. Moi, je regrette rien. Et je suis plutôt contente que les habitants du premier aient autant de femmes qui se proposent pour être en mairie d'arrondissement. Allez, on va rentrer maintenant dans le cœur des dossiers, comme on l'a fait avec vos concurrents, vos adversaires, je ne sais pas comment il faut les désigner. On a évoqué cette semaine le remonte-pente. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Justement, c'est une promesse qui a souvent été faite aux habitants du premier, jamais réalisée. Le franchissement des collines à Lyon, c'est une question. Alors, moi, maire de la ville de Lyon, le remonte-pente se fera parce qu'il faut accompagner l'augmentation des déplacements piétons, dont poussettes, dont personnes en situation de handicap, mais aussi vélo, que de toute façon ce tunnel de la rue Terme, à terme, il va être fermé, qu'il y a cet espace-là. Nous, on s'oriente plutôt techniquement, mais ça c'est de la technique, sur une proposition du type escalator. Mais c'est-à-dire pour comme, favoriser, comme dans un centre commercial si vous voulez, pas avec les escaliers, une pente douce qui monte. Une pente douce qui monte, voilà, tout simplement. Alors, ça prendrait combien d'heures pour arriver du bas jusqu'en haut? Parce que il va falloir qu'ils montent vite quand même, parce qu'il y a de la pente et il y a de la distance. Je pense qu'en fait, des gens qui portent des propositions politiques, ce ne sont pas des techniciens. Je ne suis pas ingénieur, je suis au regret d'annoncer que je ne suis pas ingénieur. Je suis quelqu'un qui observe qu'on a besoin de franchir cette pente autrement qu'en navette. Il y a déjà des bus, des navettes. La navette, c'est le système qui est mis à l'essai par Gérard Collomb. Voilà, et qu'on a des populations, des franges de population, les personnes âgées, les personnes avec poussettes, les personnes en fauteuil ou les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, qui ont besoin de ce service-là. Moi, je suis là pour proposer des services au quotidien qui répondent aux besoins des habitants. Je ne suis pas là pour autre chose. Après, les choses, elles s'étudient. Tout simplement. Un autre dossier dont on a beaucoup parlé cette semaine, la place des terreaux, qui est dans un état qualifié de lamentable par au moins 2 des candidats, Jean-Baptiste Monin et Nathalie Perrin-Gilbert. Vous la jugez comment, cette place? La place des terreaux est très fréquentée par des touristes, mais aussi par des camions de livraison. Ça ne nous aura pas échappé à tous, parce que présence de cafés et de restaurants. Oui, elle est abîmée. Non, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans tenir compte de l'œuvre de Buren. Donc après, on peut
promettre plein de choses. J'entends qu'on dit oui, il faut garder la vocation culturelle de ce site. Moi, j'aurais tendance à dire il faut garder, il faut aussi intégrer le fait que sur cette place, si vous ne consommez pas, vous ne pouvez pas y rester. Voilà, si vous n'êtes pas consommateur dans un café ou un restaurant. Et moi, je trouve que les écologistes, ce qu'on souhaite, c'est effectivement, il y a la proximité des Beaux-Arts, il y a l'hôtel de ville, symbolique, important. Cette place, elle doit permettre aussi aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui ne viennent pas faire du tourisme, de tout simplement de s'asseoir, de se poser, de se voir, de se regarder. Voilà. C'est dommage qu'il y ait des bancs uniquement de l'autre côté aux Beaux-Arts. Moi, j'aurais juste tendance à dire, évidemment, qu'il faut la rénover, mais c'est prévu, c'est pas un scoop, hein, c'est prévu. Mais vous, comment vous envisageriez de le faire Je pense que de toute façon, on est obligé de respecter l'œuvre en place, on est obligé de respecter le parking dessous. On va pas rien faire d'extraordinaire. Moi, je poserais plutôt la question dans l'usage. Voilà, comment on peut faire pour éviter qu'autour il y ait encore plus de cafés et de restaurants. Est-ce que dans la galerie des terreaux, on n'implanterait pas quelque chose de plus associatif et plus coopératif? Vous exproprier certains bars pour les choses, elles peuvent bouger. Il y a toujours des gens qui partent, qui s'en vont. On peut préempter, on peut faire des choses. Et puis, vous avez la galerie des terreaux. Cette place des terreaux, elle accueille pas mal de choses. Donc, dans la galerie des terreaux, faisons un appel à projet pour qu'il y ait une activité associative plus à destination des Lyonnaises et des Lyonnais, plutôt que d'accueillir des ventes de produits made in Taïwan ou China que vous jetez dans la seconde ou vous les achetez à bas coût. Justement, ça nous amène à cette fameuse cité des artisans, ce que vous voulez faire dans les 9 arrondissements de Lyon. Si je comprends bien, c'est une cité, un bâtiment dans lequel ce que j'ai observé, en particulier dans le premier, mais ailleurs aussi, c'est qu'il y a vraiment des professionnels qui travaillent tout seuls, qui n'ont pas de lieu de stockage, qui ont des problèmes de stationnement, qui font tout, c'est archi connu, hein, les artisans, ils font tout, ils font leur compta, leur communication, ils répondent au téléphone, ils viennent chez vous, ils réparent. Voilà, le principe d'une cité des artisans, c'est de la visibilité sur l'extérieur et de la mutualisation, donc favoriser le développement des professions, de ces professions-là et de ces métiers-là, en leur permettant de mettre en commun un comptable, une comptable, des personnes à l'accueil, des personnes qui répondent au téléphone, avoir un lieu de stockage collectif pour leur matériel, et puis effectivement, pour les habitants du quartier, avoir un endroit où on sait qu'on trouvera un plombier, un menuisier, un électricien, et des gens a priori de confiance, puisque s'il y en a un qui est moins sympathique, moins convivial, y compris en termes de tarification, à mon avis, ça se saura très très vite. Vous l'installez où? Vous l'implantez où dans le premier arrondissement, cette cité des artisans? Comme vous le savez, il y a quand même de nombreux bâtiments vides. Nous, on aurait une tendance quand même à le proposer au Central Burdeau, bien qu'il y ait un projet, mais on ne le voit pas arriver, ce projet. Donc nous, on se dit pourquoi pas au Central Burdeau. Si le projet porté dans ce mandat-là au Central Burdeau sort de terre, je pense qu'il y a pas mal d'autres endroits où on peut se positionner. C'est pas forcément le coin le plus accessible du premier arrondissement. Si, c'est un endroit proche de la place Satonnet. Parce qu'il dit artisan, dit généralement utilitaire. Oui, mais je pense qu'il y a des gares. Il me semble que les parkings. Je sais que vous n'aimez pas la voiture. Mais pour un artisan, c'est quand même plus simple de trimballer ses tuyaux de plomberie. J'indique qu'au conseil municipal, il y a une question pendant le mandat précédent sur la fameuse vignette artisan-commerçant. Cette question, elle est née d'une demande de deux élus écologistes en mairie du premier arrondissement, Luc Voiturier et Emeline Baume, qui en ont fait part à leurs collègues, à l'équipe du premier. Et il me semble que ou Isabelle Glaise ou Nathalie Perrin-Gilbert l'avaient posée. Donc, nous ne sommes pas favorables à la voiture particulière et individuelle dans le cœur de ville. Par contre, évidemment que nous sommes favorables à ce que tous les professionnels puissent, parce que c'est leur outil de travail, pour certains, se déplacer en véhicule. Et on n'est pas pour une dictature écolo. Et donc, pour répondre à la question, il me semble qu'il reste de la place dans les parkings qui se situent autour d'hôtels de ville et que ça n'est pas très loin, voire même qu'on pourrait envisager que la rue Lucien Sportis, qui est la rue qui est dans le Jardin des Plantes, accueille sur le bas, là, sur le début de la rue Burdeau, si c'était au Central Burdeau, des places dédiées aux artisans, tout simplement. Dernière question, très rapidement, sur l'amphithéâtre des Trois Gaules, dont la rénovation avait été promise puis abandonnée. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites, vous? Pour nous, l'amphithéâtre des Trois Gaules, en fait, il est lié au devenir, mais je pense comme tous les autres candidats, au devenir de l'École des Beaux-Arts et aussi à la requalification du Jardin des Plantes. C'est étonnant comme on oublie quand même ce jardin qui fait partie du patrimoine lyonnais. Donc nous, notre proposition, c'est quand même juste de, à minima, de requalifier cet espace-là. On manque
cruellement d'espace vert, bien qu'on soit bien positionné au niveau national, pour se détendre, jouer avec ses enfants, se poser dans cet arrondissement qui est très dense. Donc la base, c'est ça. Après, effectivement, si l'école des Beaux-Arts accueille des activités artisanales ou associatives ou coopératives qui rendent des services du quotidien aux habitants. On peut imaginer de l'alimentation, on peut imaginer des gardes d'enfants, on peut imaginer plein de choses. Et ben, l'ensemble devra de toute façon, et au niveau paysager et architectural, être cohérent. Mais il n'y a rien d'extraordinaire sur cet amphithéâtre des Trois Gaules, à part de reconnaître qu'il fait partie du patrimoine et qu'il faut respecter cet espace-là, évidemment, et le mettre en valeur pour les Lyonnaises et les Lyonnais et pour les touristes. Merci beaucoup Emeline Baume d'avoir répondu à nos questions. On a fini notre tour d'horizon dans le premier arrondissement. On espère que ça aura éclairé les électeurs du premier arrondissement. Demain, on bascule au sommet de la Croix-Rousse. On était dans les pentes cette semaine. À partir de demain, on sera dans le 4e arrondissement avec Étienne Tête et qui vous formez le binôme pour les municipales à Lyon pour Europe Écologie Les Verts. Merci, au revoir. Merci.